Bon matin à toutes et tous. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour entamer cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi 12 août 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé un joli week-end. Alors, pour cette semaine, eh bien, j'ai pris l'oracle des signes du temps. Vous savez, l'univers, il est constitué de nombreux signes, n'est-ce pas? Et en fait, c'est à nous à savoir les interpréter. Eh bien, cet oracle, chaque tirage que je vais faire journalièrement, eh bien, nous invite à prêter attention à ce que nous vivons, à ce qui nous entoure, aux décisions que nous prenons, etc., etc. C'est pour l'oracle des signes du temps. Je terminerai par le petit oracle des couleurs, n'est-ce pas? Le petit message du petit oracle des couleurs. Mais avant de commencer, petite philosophie du matin, reconnaître que l'on ne sait pas. Avouer que l'on ne sait pas. Et parfois d'un grand soulagement, au lieu de faire croire et de se convaincre que l'on peut y arriver. Belle philosophie pour ce matin. Eh bien, dans l'oracle des signes du temps, j'ai pigé la cible concentration. Alors encore une fois, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Soyez bien à l'aise, hein, pour prendre ce qui vibre pour vous. La cible. Donc, pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez peut-être un objectif. Vous avez peut-être un objectif en ligne de mire. Et, eh bien, pour l'atteindre, vous avez besoin de toute votre concentration. Alors qu'il s'agisse de préparer peut-être un examen ou de tout autre projet personnel, n'est-ce pas, ou encore professionnel, eh bien, vous devez vous discipliner, planifier et gérer votre temps pour réussir et essayer de ne plus vous éparpiller parce que le moment est venu de vous mettre au travail. Alors, s'il y a un élément de compétition, eh bien, il va falloir avoir une préparation très minutieuse qui sera vraiment nécessaire pour obtenir le résultat que vous désirez. Et cette carte, eh bien, elle parle aussi d'amour. Oui, d'amour. Ou d'une belle amitié. Vous êtes peut-être intéressé par une personne ou peut-être on s'intéresse à vous. Eh bien, l'équilibre étant la clé de tout, n'est-ce pas? Évitez de vous focaliser sur quelqu'un ou quelque chose au point d'en devenir obsessionnel ou encore d'oublier, eh bien, tout le reste. On vous demande d'arrêter de vous focaliser. Vous risqueriez de rater votre cible et certainement d'en éprouver de la frustration. Si vous échouez, n'est-ce pas? Eh bien, respirez un bon coup. Oui, et réessayez. Après vous être donner tant de mal, il est certain que vous réussirez, n'est-ce pas? À un certain moment, mais oui, évidemment. Intéressez-vous davantage à vous et soyez moins dans la distraction. En tous les cas, vous allez toucher votre but. C'est une carte qui est positive, n'est-ce pas? Vraiment.
Donc, voilà pour l'oracle des signes du temps. Et je termine par le petit oracle des couleurs. Eh bien, j'ai pigé aujourd'hui indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre, eh bien, des décisions justes et harmonieuses. Donc, belle synchronicité. Écoutez vos capacités intuitives et arrêtez de vous disperser et de vous focaliser sur une chose. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Je vous embrasse et je vous dis à demain.